vous êtes donc ici dans un tout nouveau musée qui vous ouvrira sa porte officiellement demain, avec une inauguration officielle, et puis après-demain, ce sera ouvert à l'ensemble du public. Alors c'est un moment important sur le plan d'abord de l'histoire, puisque le musée veut se positionner pour bien expliquer à chacune et à chacun l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi, vous le verrez au travers de la visite, de pouvoir aussi bien expliquer la réalité de la bataille des Ardennes telle qu'on a pu la vivre ici il y a maintenant 70 ans. Durant la Seconde Guerre mondiale, les gens ont beaucoup souffert. Je pense d'abord aux enfants qui avaient mon âge à cette époque. J'imagine les jouets rudimentaires et le manque de nourriture. À Bastogne, en particulier, durant la dernière offensive allemande, les enfants devaient être terrorisés dans les caves des bâtiments en ruine. Certains devaient penser à un grand frère ou à un papa partir faire la guerre et qu'ils ne reverraient peut-être plus. D'autres devaient craindre pour leur propre vie. Je me mets à la place des adultes et des parents pris dans l'enfer de la guerre. Ils devaient tout faire pour protéger leur famille. L'angoisse devait être totale. Et les soldats, ces jeunes Américains, qui ont combattu dans des conditions climatiques abominables. Nous pouvons bien les remercier. Beaucoup sont morts, loin de chez eux, pour que nous puissions à nouveau profiter de la liberté et de la démocratie. J'imagine la douleur de leur famille quand on est venu annoncer leur décès. Même si je n'ai pas vécu toutes ces choses horribles, je sais que j'ai beaucoup de chance d'habiter dans la région en ce moment. Je peux tranquillement profiter de ma famille, aller à l'école, avoir des hobbies et m'amuser avec mes copains. Toutefois, je pense que nous avons un devoir de mémoire. Il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé. Nous devons être reconnaissants vis-à-vis des personnes qui ont sacrifié leur vie ou une partie de celle-ci pour que nous retrouvions la paix. Il est donc important d'avoir un musée comme celui-ci dans notre ville. Pour terminer, au nom des enfants de Bastogne et de la région, I'd like to say thanks to the American soldiers who came for fighting to liberate Bastogne in 1944. Eh bien, merci. Merci aux élèves des écoles, merci à Monsieur le Bourgmestre d'avoir pris la parole ici, donc dans le Bastogne War Museum. Voilà, moi j'aimerais tout simplement remercier une fois de plus la ville de Bastogne, car c'est un honneur pour Tempora, et là je prends la parole au nom donc de Tempora, c'est un honneur pour Tempora donc de remplir la mission qui lui a été confiée, donc à savoir la mission de gestion ici du site. Voilà. Mais c'est également un honneur aussi pour moi, puisque comme on vous l'a dit, voilà, moi je suis un grand passionné de la bataille des Ardennes, et donc me retrouver ici, responsable de site, c'est une expérience formidable, et je remercie toutes les personnes qui m'ont permis d'obtenir ce poste. Voilà. Merci à vous. Cette passion pour la bataille des Ardennes, d'où nous vient-elle? Une bonne question. En fait, je devais avoir environ votre âge, peut-être même plus jeune. Quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui se passait dans la région, on entendait parler de l'offensive von Rundstedt, de la guerre, etc. C'était les anciens qui parlaient de tout ça, les personnes plus âgées, mes grands-parents, etc. J'aimerais en fait vous dire que vous avez encore de la chance et qu'il faut en profiter. Vous avez beaucoup de chance parce qu'il y a encore des témoins des atrocités de 44-45 qui vivent encore et qui peuvent vous faire part de leur histoire. Je suis instituteur au départ. Aussi. Donc ce matin, je travaille encore en classe, où je donnais justement une leçon d'histoire, et avec des objets. Donc ça tombe bien. Les objets que je vais vous présenter ici, vous savez, généralement, quand on va dans un musée, on peut toucher, mais on touche avec les yeux, on dit. On ne peut pas toucher avec les mains, parce qu'on risquerait d'abîmer les objets. Seulement, comme vous êtes ici, je me suis dit que ce serait intéressant quand même que vous puissiez avoir en main des objets que, et voilà, les personnes là derrière, ces messieurs, qui les ont connus eux réellement, ont même peut-être parfois joué un peu avec, parce que ben, à l'époque, vous savez, il n'y avait plus grand-chose. Alors aujourd'hui, je vais vous en expliquer quelques-uns, et vous allez pouvoir les prendre en main, et puis on va essayer de savoir ben, ce qu'ils représentaient tout simplement. À part qu'on a mis un peu d'émail dessus, on l'a protégé. Ce serait pourquoi?
Comment ? Très bien, pour prendre le lait. On en a fait. Voilà. Et ça, c'est une bonne chose quand même, de ne pas jeter ces choses. On a récupéré l'étui et on en a fait un pot à lait. Alors, je vais même vous dire, on a même récupéré les casques. Et les casques, on a mis aussi ce produit dessus. La poudre qui était à l'intérieur de ces obus, ça ressemblait à des macaronis, mais c'était de la poudre. Et comme ils avaient la forme de macaronis, ils appelaient ça les macaronis. Et le jeu des enfants, mais jeu dangereux évidemment, était de récupérer, parce qu'il y avait un petit peu ça partout, des macaronis et puis d'allumer les macaronis parce que ça faisait une belle flamme. Mais ça était quand même un peu dangereux. Mais je vous ai dit, après la guerre, on n'avait plus rien. Il faisait très froid. Et quand il fait très froid chez vous, qu'est-ce que vous faites ? On dévissait ceci. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre dedans ? De l'eau très chaude, on refermait. Et puis on allait au lit, on mettait ça dans le fond du lit et ça réchauffait très bien. Ils appuient leur pouvoir par la peur. Toutes les gens, si vous voulez, que ce soit les Allemands, que ce soit les Russes, que ce soit les Italiens, avaient peur de leur chef parce que si vous ne marchez pas comme ils le veulent, eh bien, dans un camp de concentration où on vous abat, c'est tout. Le sentiment ne joue pas. Ah, que ce soit à la maison, est-ce qu'il n'y a pas certains week-ends ou certains jours où on a un peu la cause de la guerre, où il y a des disputes en famille ou que sais-je ? On veut la guerre ou on veut la paix ? Ça dépend de chacun de nous, hein. Pas aux États-Unis, mais chacun chez soi. Maintenant, on avance parce que... Mais j'avais envie de vous transmettre ce message, hein. Si on vous raconte tout ça, c'est pour vous dire, écoutez, les petits gars, si vous voulez la paix, vous la faites vous-même. Voilà. Vous connaissez Émile Georges ? Ben oui, va. Est-ce que c'est mon papi ? Ah ben voilà. J'allais à l'époque à l'école à Lutremange, comme certains d'entre vous, mais le font maintenant, là. Ça va ? Donc, s'il y a une question qui porte sur une question locale, il n'y a aucun problème, vous pouvez poser la question. Mon souci, c'est de vous transmettre un message. Et le message que nous souhaitons vous transmettre, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des événements qui ont été véritablement tragiques. Maintenant, je vous dirai à la fin le pourquoi il faut entretenir la mémoire. Ce n'est pas pour le plaisir de vous raconter une belle histoire. Le passé, c'est le passé. Mais si on a envie de vous le raconter, c'est pour votre avenir à vous les enfants. C'est ça qui est important. Mais je vous le dirai après. Ah oui, mais tout était... Oui, mais attention, là-dedans, si tu veux, on ne tire pas n'importe comment. Quand on tire, si tu veux, quand les tankistes tiraient, il faut bien te dire une chose, qu'ils réglaient l'inclinaison du canon, de même que la direction, en fonction de l'objectif que véritablement ils voulaient atteindre. Dans notre maison à Villers-la-Bonneau, eh bien, les Allemands occupaient toute la maison, ils nous laissaient une pièce et c'est tout pour toute la famille. Tu vois, donc, et à tout moment, ben, on filait à la cave quand on sentait que ça devenait dangereux. Donc, vous devez bien vous douter qu'on entendait tout. Voilà. Et on devait, tu comprends bien, puis, on devait avoir peur, d'autant plus qu'à certains moments, eh bien, tu voyais le village qui flambait, n'est-ce pas ? Moi, je me souviens très bien du 24 décembre et du 25 décembre à Villers-la-Bonneau, où tu avais toutes les maisons chez Lebrun, chez Garcia, etc., toutes ces maisons-là qui brûlaient et dont, je dirais presque, je me souviens encore de l'odeur, parce que cette fumée, n'est-ce pas, qui se répandait partout, il est clair qu'on avait bien conscience de tout ce qui se passait. Décembre 44, eh bien, il y avait l'armée allemande, si vous voulez, était à bout de souffle, était épuisée, et alors Hitler avait mobilisé chez eux des jeunes soldats. Et il y avait aussi des papas d'enfants, mais comme vous, et qui... Et pourquoi est-ce qu'ils marchaient, monsieur ? Parce que quand on fait partie d'une armée, n'est-ce pas,
on obéit au chef ou bien on est abattu soi-même directement. Il faut bien vous dire qu'en cas de guerre, les chefs ont le droit de vie, de mort sur les autres soldats. Ça veut dire que si vous dites « moi je refuse les ordres », eh bien les chefs auront le droit de vous abattre, n'est-ce pas ? Vous voyez la population qui prend des charrettes, des choses comme ça, c'était pour partir du pays parce qu'ils avaient peur des Allemands. Et donc petit à petit, les Allemands ont toujours voulu refaire la guerre, si vous voulez. Et alors il y a eu un contexte difficile, donc c'est-à-dire que les gens à l'époque vivaient difficilement, il y a eu une crise économique, donc toute l'économie, il n'y avait plus de travail, il n'y avait plus de moyens de gagner de l'argent, les entreprises ne pouvaient plus produire, etc. Donc comme vous le voyez, il y a différents objets dans les vitrines. Là-bas, vous voyez, il y a trois photos. Il y a des photos de trois personnes qui sont là, vous les voyez ? Combien de kilomètres à l'heure ? Ah, je ne sais pas, non plus. Papy, il a fait beaucoup de guerre. Je trouve que c'est extrêmement important que les enfants comprennent. L'important de la mémoire n'est pas de raconter aux enfants une belle histoire. L'objectif n'est pas là du tout. L'objectif n'est même pas de raconter la vie dans le passé, mais c'est de préparer l'avenir. Donc les Allemands, ils se sont dit, si on prend le port d'Anvers, eh bien, ils ne sauront plus amener de matériel. Et donc, on pourra gagner la guerre grâce à ça. À partir de 5h30, 6h du matin, il fait encore noir, les premiers bombardements. Les Américains, ils sont là, ils ne s'attendent pas du tout à ce que les Allemands reviennent, non plus. Et donc, ils sont surpris. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et il y a plein de voitures, de véhicules comme ça, des chars qui débarquent. Il y a des milliers de soldats allemands, comme vous pouvez en voir ici. Celui-ci, c'était un parachutiste allemand. Donc, il a été largué, il a été parachuté au-dessus des lignes américaines. Skorzeny, c'était un officier allemand, qui se trouve ici, un officier SS, qui était à la tête d'un commando spécial, donc d'un groupe de soldats spécial. Ce groupe de soldats spécial, en fait, il était parce qu'ils étaient déguisés en américains. On voit une autre photo où c'est que des planeurs qui ont atterri dans les champs, en Normandie. Et ici, c'est du matériel de parachutistes américains qui a servi le jour du débarquement de Normandie. Il y a un film qui reprend très bien le débarquement de Normandie le 6 juin 1944. C'est 6 juin 1944, le jour le plus long. Ça vous donne un petit peu l'importance de ce qui a été, parce qu'une guerre, ce n'est pas joué au fusil, hein. Ce n'est pas joué aux petits soldats, n'est-ce pas, les enfants ? Là, c'est un résistant belge, donc c'est quelqu'un de la résistance. Oui. Ici, c'est le Japon, l'Asie. Effectivement, l'Asie. Donc on s'est aussi battu en Asie. Les Japonais, en fait, étaient avec les Allemands et ils se battaient contre les Américains et les Britanniques dans les îles du Pacifique, ça va ? Donc à l'autre bout du monde.
Maintenant, il y a eu aussi des combats très très atroces. Un peu plus loin, est-ce que vous savez où est-ce que c'est? Regardez les différentes vitrines par ici. Je voudrais attirer votre attention, tiens, sur une photo ici. Le 10 septembre 1944, lorsque les Américains et les Alliés sont venus chez nous, ouf, quel soupir de soulagement, tout le monde il était content, tout le monde il était heureux et tout le monde s'embrassait. On croyait alors que la guerre allait être finie. Ça a été le véhicule passe-partout des Américains. C'est avec ça que ma maman a. Eh bien voilà. Mais la guerre n'est pas finie pour autant. Les Allemands veulent revenir. Et donc, ils vont revenir au mois de décembre 1944, quelques mois après avoir été libérés. D'accord? Et là, il faut dire que vraiment, nous ne nous y attendions absolument pas. Tous les dimanches, on allait à la grand-messe et c'était le moyen d'information où les gens parlaient. Il paraît qu'ils reviennent. Alors que le 10 septembre, on les avait chassés de chez nous, qu'ils n'avaient plus rien du tout, ni essence, ni camion, ni nourriture, et que les Américains étaient en pleine force, et on parle qu'ils reviennent. Non, t'es fou, non. Et je me souviens qu'après la récréation de 3 heures, l'instituteur, monsieur l'Allemand à l'époque, nous dit, écoutez, je ne peux pas garantir votre sécurité, vous rentrez chez vous jusqu'à nouvel ordre, et vraiment, il avait bien compris, parce que son langage était marqué par l'émotion. Et à ce moment-là, allait commencer, si vous voulez, pour notre région, un mois de souffrance extraordinaire, mais il faudrait que raconter dans le détail, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà les grands, un souvenir, regardez.